Salut tout le monde, c'est l'heure to play. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien en ce merveilleux début de vacances. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la campagne de StarCraft. Et oui, je fais un peu beaucoup de StarCraft là en ce moment, puisque j'ai commencé et j'ai tout simplement pas continué. Et comme j'adore StarCraft et que pour l'instant c'est pas très long, alors je me suis dit pourquoi pas, allez, on va mettre la blinde de StarCraft. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va continuer donc la prochaine mission, mais avant cela, on va s'attarder sur ce menu de campagne, hein, on va l'appeler comme ça. Donc il y a plusieurs, petites interactions, voilà, avec différents objets de la pièce. Donc on a Ticus, le crâne, les infos, le badge, le tableau où il y a les infos. Et j'ai vu que dans les hauts faits, donc dans ce menu là précisément, voilà, mode scénario, mince, c'est pas ici. Si, voilà. Vous voyez, on a des hauts faits. Donc, engager la conversation avec tous les personnages principaux. Regarder 10 diffusions d'infos à la télévision. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Donc, moi, pour le fun, je me suis dit, on va les faire. Ça pourrait être marrant. Donc, on va commencer par interroger Ticus. Voilà. Alors, Ticus, c'est qui cet acheteur mystérieux? À qui on est censé le remettre, cet artefact? Une bande de binoclars sur qui je suis tombé. On les appelle la Fondation Möbius. Möbius, c'est un groupe de recherche légale. Pourquoi diable est-ce qu'ils s'adressent à toi? Mystère. Depuis que Mensk a interdit le commerce d'objets aliens, ils sont complètement désespérés. Et tu me connais, Jimmy. J'ai toujours eu un faible pour la science. Mouais. Ouais, ça me paraît louche. Alors, bon, j'ai mis le petit jukebox, hein, la musique, j'espère que ça vous gêne pas. On va aller ici, liberté. Je dois bien dire, Jimmy, yeah, que t'es devenu un soldat sacrément impressionnant. À la place du vieux Mensk, j'aurais les jetons, moi aussi. Tu le penses vraiment, Ticus? Non. Non, je déconne. Ouh, ça dénonce, ça balance. Ça balance. Moi, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Track. C'est quoi ce truc? On m'avait dit que les ergs s'étaient fait carboniser par les protos il y a quelques années. Ça fait 4 ans et on continue à trouver des tanières enterrées dans les coins paumés. Un trophée comme ça, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Ah, tu m'étonnes. Ça te dirait une petite partie de chasse, partenaire? Ok. Amuse-toi bien, Ticus. Moi, j'ai chassé assez de zergs pour une vie entière. J'accepte. Une petite partie de chasse comme ça, là. Ça pourrait le faire, moi, je dis. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le crâne. Oh, crâne de zerg. Dis-moi, Jimmy, combattre les zergs, c'était comment? Avec les lampes. Tous les sales coups de l'époque, toutes les fois où on s'en est tiré à un cheveu, il n'y a rien de tout ça qui leur arrive à la cheville, Ticus. Tu peux pas savoir ce qu'est vraiment la peur quand t'as pas vu un millier de zergs te foncer dessus. Effectivement. Badge. Dis donc, Jim Reynard. Le magistrat du coin, il savait qu'il engageait un super hors-la-loi comme Marshall. Il comptait dessus. Avec mon image de gros dur, les gens du coin avaient tendance à rester tranquilles. Tant que j'ai porté cet insigne, j'ai jamais eu besoin de tirer sur quelqu'un. La classe. Quel intérêt alors? Ah, j'aime bien. Et pour finir, on va s'attaquer aux infos. Merci d'être resté avec nous. Retrouvons Kate Lockwell avec du neuf sur la violente insurrection de Jim Raynor. Merci, Denis. Raynor est visiblement en train d'élargir sa liste de cibles. Il s'est attaqué à un site de fouilles archéologiques et s'est peut-être emparé d'un dangereux artefact non humain. Lopomensk a fait une déclaration à ce sujet plus tôt dans la journée. Il n'y a pas moyen de savoir quelle catastrophe... Alors lui, c'est le méchant, c'est l'enfoiré d'empereur qu'on combat. Contre lequel on lutte. Toute personne trouvée en possession de ces objets sera jugée avec la plus grande sévérité. Vois les choses du bon côté, partenaire. T'es un mec très recherché. Effectivement, merci, oui. Ticus.
C'est consternant, Kate. Je suppose que les actes terroristes de Raynor ont causé d'importantes pertes civiles. À vrai dire, les seules victimes civiles semblent dues aux dégâts collatéraux de la riposte excessive des troupes du Dominion. Merci, Kate. Nous sommes... Oh, comment il vient, Luke ? Jim Raynor, massacre des femmes et des enfants sur Mars. Oh, oh, la grosse conspiration. Oh là là, vous avez vu ça, la conspiration de malade. Le mec, il... En fait, ouais, c'est eux qui tuent tout le monde, tu vois, c'est grosse répression et tout. Et le mec à la télé, ouais, non, il n'y a eu aucun dégât et tout, il les a tous aidés. Non, ouais, c'est ça, il les a tous tués, machin. Enfin, voilà, ça, c'est la grosse merde, hein, ça pue le traquenard là-dedans. Donc on va, hop, continuer tout de suite la mission, c'est parti, un peu d'action. Parce que là, on ne voit rien depuis tout à l'heure. Ok, nulle part. La prudence est recommandée. Les forces de maintien de l'ordre du Dominion pourraient pister l'artefact jusqu'à la station. Ok. Bon, on va toujours se mettre occasionnel. C'est quoi ça? Bon, je vais mettre en brutal, hein. C'est parti! J'ai un transport qui va passer nous prendre. On n'a qu'à attendre bien sagement. Ça devrait pas être trop dur. Et puis, on a bien mérité une petite perme. Commandant, importante concentration de biosignatures Zerg en cours d'atterrissage. Ah, des Zerg! Ah, ça schmoute! Va te faire foutre, Titus! Wow. Je te jure, ça part en couille. Personne m'avait parlé de Zerg. Ouais, c'est ça. Vu de leur trajectoire actuelle, les Zerg auront envahi notre position dans l'heure. Bordel. Va falloir tenir assez longtemps pour se faire sortir de là. Oh là, putain, ils arrivent en nom, hein. Si on occupe ces bunkers et qu'on arrive à tenir les deux ponts aussi longtemps que possible, on a peut-être une chance. Effectivement. On va avoir une sacrée baston sur effectivement. Les bras. Bah, ça promet, les amis. Genre de merdier, ça me connaît. Ouais, ça promet. Les Zerg, crois-moi. Ça promet. Là, il va y avoir du sport, de l'action, des bunkers et des Zerg. Les trois rassemblés. Alors, mission actuelle, leur hache. Ok. Abriter les Marines dans des bunkers pour leur fournir une protection supplémentaire. Les Marines peuvent toujours attaquer les ennemis depuis le bunker. Ah oui, ça c'est évident en même temps, hein. Sinon je ne vois pas à quoi un bunker pouvait servir. Donc ça va nous être très utile dans notre défense anti-Zerg. Va falloir en construire... Ah non, ils sont déjà disponibles je crois dans cette mission. Pourquoi la barre de chargement n'avance pas? Ah si, c'est bon. Allez, plus vite. Yes! Alors, il y en a sûrement qui sont rentrés hein, en cours. Aujourd'hui, hein, on est le lundi 4, il me semble. Lundi 4. Moi, c'est le début des vacances. Il y en a sûrement qui sont en train de rentrer. Bonne chance à eux. Alors, c'est parti. Nous sommes en jeu. Alors, tout de suite, on lance nos VCS, on en produit un. Shift, hop, hein, on met notre centre de commandement en raccourci pour pouvoir produire nos VCS le plus rapidement possible. Évacuation dans 20 minutes. Oh là là là, ça va durer longtemps cette mission, les amis. Attention. Hop, on continue à produire, donc pas de file d'attente. Là, il y a l'artefact. Ok, alors on va tout de suite. Hop, voilà, comme ceci. On va mettre des réacteurs. Réacteur. Voilà, comme ça on va faire que des marines. On va s'occuper de faire que des marines. Hop, on va remplir les bunkers. Hop, on produit. Ok. Alors, je vais essayer de construire des bunkers le plus vite possible. On va essayer d'en construire un ici, voilà. Pour bloquer les airs qui arrivent ici. Regardez, il y a le mucus. Ah, ils arrivent. Merde. Ils arrivent. Barre-toi. Et voilà. Non. Casse-toi, VCS. Bon, il est con, écoutez. Hein. Attention. Donc, j'ai mis en brutal, ça risque d'être vraiment brutal. Hop. On va rassembler les troupes. Oh là 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 là, vite. Mon bunker a pété. À tous ceux qui captent ce message, génial. On est coincé près de la station nulle part. Où ça? Ceci est un appel à l'aide. Ah. Oh shit, c'est qui eux? Oh. Oh là là, ça va être dur les amis. Là ça risque d'être très dur. Je vais faire des médics.
Bon, écoutez, on va faire du people. On va refaire une caserne pour pouvoir faire des medics. Ça va se révéler plutôt chaud, hein. Faut faire très attention. Ici. Alors, ici, on doit aller sauver des potes. Ok. On va faire ça comme dans les livres. Ok. Ok, ok. Bon, on va remettre un bunker ici. On va ramener nos troupes ici parce que là, de ce côté-là, ils envoient du steak. Multiples objets volants détectés. Heure d'arrivée estimée à peu près tout de suite. On va récupérer les petits cadeaux ici. Production de Marines. De l'aide, ça serait pas de refus. Compris. On va aller réparer le bunker ici. Désolé si je parle pas beaucoup. Wow, wow, wow. Alors toi, tu vas aller... on va produire des VCS en masse. Ah, ils nous ont pété les... Wow, 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 wow. VCS prêt. Wow, 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 wow. Là, 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 ça devient très, très chaud, les amis. Hop, 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 c'est plutôt très dur, on va dire. Allez, hop, on va ramener des troupes là. Ici, ben, je me suis fait des... Ah non, ben, c'est bon, j'ai récupéré. Mais mes soldats ont été tout simplement défractés. Ok, alors, ce qu'on va faire, on va mobiliser des troupes. On va construire un deuxième bunker ici, voilà. On va plutôt aller les mettre là, les... Wow, 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 attention, Zerg en approche. Zerg en approche, on va ramener tous nos mecs ici. Là, on va faire des... Ah, il faut des gaz Vespen. Hop. M'aider, m'aider, on est piégés par les Zerg. Ils sont enterrés tout autour de nous. Si vous pouvez venir jusqu'ici, aidez-nous. Bon. On arrive. Ah là là là. Il y a plusieurs camps. Bon, écoutez, on va essayer de les délivrer d'abord. Ah, 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 ah. Wow, wow, wow. Bon, écoutez, les amis, ça va être très, très chaud. On va d'abord se concentrer plus sur les... On va vraiment se concentrer sur les... Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Débarquer tout. Alors ces ordres, ils arrivent. Wow, ils sont... Oh mais c'est n'importe quoi là. Ok, bon les amis, ça risque de se révéler très très dur. On s'est fait déjà complètement défracter. Ok, bon. Alors, les amis, c'est la merde. C'est la merde. Il nous reste très peu de temps pour aller délivrer nos poteaux là-bas. On se fait déchirer là. Il faut qu'on se retire plus en hauteur. Ouais, effectivement. Oh, c'est qui eux? Oh putain. J'ai l'impression qu'on va pas réussir. Je baisserai peut-être. Ouais, ouais, non. J'ai mal géré là. Ouais, ouais, bon. Ouais, non, bon, en fait, c'est la merde, les amis. Bon, écoutez. On va abandonner. On va abandonner la mission. Je suis vraiment désolé là. En brutal, c'est 10 fois trop dur. Oh, la partie d'avant, encore à la limite, ça allait. Mais là, c'est beaucoup trop dur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur. Mission. Avec l'artefact en on va faire en... Vous devez attendre votre transport à la station nulle part pour quitter Marsara. Allez, on va faire en normal. Bon, désolé pour... Je vais passer la cinématique. Voilà, je m'excuse encore hein, de recommencer. On a perdu un peu de temps, mais c'est pas très grave. J'ai mis en normal là parce que en brutal. Voilà, j'ai pris très cher. Bon, hein, c'est pas très grave. Écoutez. Hey,
Hey, qu'est-ce qui se passe? Hop là, on va produire du tir. Ok, bon. On va charger les bunkers. Alors, c'est parti. Bon, alors là, je vais essayer de mieux gérer mon coup. Je vais essayer de partir sur un bon pied. Ok, voilà, on va mettre des bunkers là-bas. Mes VCS produits. Ok, on va construire un deuxième bunker ici. Bon, ok. On va essayer de faire les améliorations. J'avais pas vu, j'ai un centre technique. Ça risque d'être plutôt utile. On va faire, j'espère que c'est du sérieux. Vas-y, construis-moi ce bunker. Annexe terminée. Construisez-moi ce bunker. Annexe terminée, ok. Vous allez faire des marines ici. Bon, je vais me concentrer sur ma... Pourquoi ça va à deux à l'heure? Ok, VCS prêt, nickel. Allez-y. Toi, tu reviens. Attention, on va se faire attaquer. Ouais, voilà, là c'est beaucoup moins dur. Là c'est beaucoup moins dur, ils sont beaucoup moins dès le début. Ils sont beaucoup moins. Bon, là je. Ouais, ça va être plutôt speed. Puisqu'il faut qu'on réalise les objectifs à côté aussi. Ouais, en brutal, c'est vraiment chaud patate. Hein. On en refera des missions en brutal. Hein. Mais peut-être pas toutes, puisque là, par exemple, vous voyez, j'ai galéré comme un gros cochon. On va faire du gaz de spen. Envoyez quelques VCS réparer ces bunkers. Allez-y. Ouais, t'inquiète pas, Michel. On va produire des gars. VCS prêt. Toi, tu vas aller me récupérer ça, là. À tous ceux qui captent ce message. On est coincé près de la station nulle part. Ouais, ceci t'inquiète est pas. Un appel à l'aide. J'arrive, Jean-Patrick. T'en fais pas, j'arrive. Surtout, fais pas de gestes brusques. Attends, on va. C'est moi qui vous donne de l'aide, ça c'est pas de refus. Ah, je me suis fait couiller, bon. J'espère que c'est du sérieux. J'ai failli attendre. On va aller récupérer ici. J'arrive. Allez, c'est parti. On va rendre une petite visite à nous. Ah ouais, en fait, ils s'enterrent, les saligots. Ah oui, c'est sûr, c'est plus facile, hein. C'est pas la même chose. Ok, premier camp. Premier camp libéré. On revient à la base. On va refaire une. On est dessus. Ok, là. Hop, voilà. Ok, ça va, je gère. C'est sûr qu'en normal, c'est plus simple. On va ramener des troupes là-bas. Et s'ils en ont besoin. J'espère que c'est du sérieux. Multiples objets volants détectés. Heure d'arrivée estimée à peu près tout de suite. D'accord. Merci Michel. Ah oui, dépôt de ravitaillement supplémentaire. J'avais oublié ce petit détail. Bien sûr. On fait tourner le matos. On va en construire 3 d'un coup. Je pense que ça devrait suffire. Alors, les bestioles volantes qui arrivent par là. Normalement, ouais, c'est bon. On va s'éloigner parce que ça fait un peu de bruit. Ils osent attaquer mes VCS, ils sont sérieux. Ah, décidément. Mes centres de commande. Mes dépôts de ravitaillement plutôt. Sauver les rebelles. Je veux bien, mais sauver les rebelles, ils sont. Ok, là, on va faire l'amélioration de l'attaque. Alors, centre de commandement. Okay. Hey, qu'est-ce qui se passe? J'y vais. Ah, m'avait fait peur. VCS, ok, bon, bah ça se présente plutôt bien. Tenez-moi jusqu'à l'évacuation. J'arrive. Par contre,
les rebelles. Ils sont où? Ils sont là. VSS, prêt. Ah, il me semblait qu'ils étaient là-bas. Bon, j'étais pas sûr. Bon, notre production se présente bien. Allez, on va faire du... J'allais dire du marine sans masse, mais bon, on n'a pas pu en faire beaucoup. Bon, petite expédition, on va essayer de voir si les rebelles sont là-bas. D'après ce que j'avais cru comprendre la mission d'avant. Ah, on se fait attaquer sur le côté. En fait, ils mettent 30 ans à attaquer en normal. Hein. On va attendre ici. Bon, ils sont littéralement poutrés, hein, y a pas d'autre mot. M'aider, on est piégés par les ergues. Ils sont enterrés tout autour de nous. Si vous pouvez venir jusqu'ici, aidez-nous. J'ai... Ça fait plaisir de vous voir. J'ai juste eu le temps de mettre une mes types. Il a suffi que je mette mes types sur le. À l'endroit où les insurgés étaient. Et j'ai pu les libérer d'un coup. Pourquoi pas? Bon, bah, c'est tant mieux, on va rassembler nos troupes. Bon, voilà, c'est beaucoup plus simple. Bon, je pense que je mettrai en difficile quand même pour qu'il y ait un peu plus de difficultés. Enfin, bon. Passons, c'est pas grave. Tac, 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 tac. Voilà, on a du marine sans masse. Mais non. Bon, bah, on a plus que 13 minutes à tenir, les amis. Hein. Bon, ouais, voilà quoi. En fait, le juste milieu, je pense, c'est difficile. On se mettra en difficile, hein, le... Ouais. Allez-y. Difficile, parce que là, il y a moins d'action. On se fait vite chier. J'espère que c'est du sérieux. Enfin, bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je mettrai en difficile. Comme ça, ce sera le juste milieu. Par contre, ouais, les insurgés, là, ils sont toujours pas... Bon, bah... Bah nous on produit tranquillou. Amélioration terminée, voilà. Bunker vide, bah, c'est pas grave, il est vide, hein, qu'est-ce que tu veux. Go, go, go. Nos amis Zerg sont dans le coin là-bas. Ouais. Bon bah ça se présente plutôt bien. Alors on a des mecs en production. Mauvaise nouvelle. On va construire d'autres bunkers pour le faire. Je sais pas, j'ai juste envie. Ça sert à rien, mais j'ai envie. Ah oui, non. Je vais construire une caserne. Juste après. Paré et prêt à tout. Bon, voilà, on va aller ici pour l'instant. Ah, une vague de Zerg en approche. Bon, ils vont se faire désinguer. Hein. Voilà, regardez ça. Ouais, ils ont pris très cher. Ok, un bunker ici, on va les foutre là-dedans. Pauvre Marine, ça. Pas mal en zoomant. Ouais, très bien fait le jeu. Très très bien fait. Ok, je pense là pour le minerai, ça suffit. Notre technologie est bientôt achevée. Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre. On n'a plus que 11 minutes à tenir. Bon, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, alors je projette de faire donc des vidéos, je pensais, du Cities XL demain, normalement. Si je dis pas de bêtises, enfin après ça dépend, je verrai selon mon emploi du temps. Puisque j'ai pas mal de boulot quand même pendant ces vacances. Surtout que je partirai quelques jours pendant la deuxième semaine. Donc faut que je m'organise. Vous aurez aussi peut-être du Prison Architect et du Black and White bien évidemment. Et du Transport Tycoon aussi si j'ai le temps. Mais ça, j'en ferai un peu moins puisque c'est pas... Transport Tycoon ne fait pas partie de mes séries principales. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. Ok, bon. C'était misérable. On n'a rien vu. Amélioration terminée.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, concernant CitiesXL, pour la liste de mods. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Hein. Enfin, vous avez continuez les gars, notre taxi penser... est en route. Ouais, c'est bon. Vous auriez peut-être pu penser que j'avais oublié, mais non, j'ai pas oublié. C'est juste que je peux tout simplement pas la regarder, hein, vu que mon ordi n'est toujours pas réparé. J'ai pas accès à mes documents. Et résultat, quand je vais. Quand j'essaie de regarder les mods sur mon CitiesXL, ils ne s'affichent pas. Donc je ne peux pas. Vous les notez tout simplement, hein. Faut que j'attende. Mais vous les aurez très vite, je l'espère, ne vous inquiétez pas. Alors, de l'aide, qu'est-ce que tu veux? Bah non, tu t'en sors très bien, regarde, en plus t'as une... besoin d'une piqûre? T'as une besoin d'une piqûre? Voilà. Pourquoi il tire en l'air? Bon. Il y a du sang partout, il y a de la giclure de Zerg. Par contre, eux, là, les... c'est quand qu'ils se manifestent? Bon, là, c'est la limite de la map. Peut-être là-bas, non? Il nous faut des renforts immédiatement. Bah voilà. Ah bah voilà. J'en étais sûr. Quelqu'un m'entend? Ouais, je t'entends. Ok, ben. J'ai vu juste, hein. J'avais dit qu'ils seraient par là. Bon... Ils se déterrent, il y a quelques... à chaque fois, je voulais Zergling, un truc comme ça. Ok, c'est bon. On est avec vous maintenant. J'aime bien ton casque, l'ami. Ils arrivent. Ouais, t'inquiète pas, ils arrivent. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du mucus par ici, ça me dit rien de bon. Ah, ils ont fait une base. Ils ont fait une base, les coquins, ils ont fait une base. Enfin, je... Wow, qu'est-ce que c'est que ça, un ver géant? Un essaim. Ouais, en fait, je vais plutôt me barrer, les amis, là. Là, c'est... Bon, en fait, ils sont un peu trop... Ils sont un peu trop bien développés pour que j'aille me les faire. Parce que là, j'ai pris bien cher. Dépôt de ravitaillement. Mais toi, tu sers à quoi? Faire des dépôts de ravitaillement au lieu de le te toucher la nuit. Alors, ah non, on peut pas faire les améliorations au laboratoire. Tant pis. Bon, ici, ils sont bien installés, les coquins. Ah, ils ont fait des trucs plutôt salauds là. C'est des vers géants. Oh, avec une musique de rock et tout là. Yeah. Bon, plus que 7 minutes à tenir, les amis. C'est bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. On va construire du dépôt de ravitaillement. Dépôt. Voilà. Oh, je me fais attaquer. Oh, c'est que ça. Heureusement qu'on a nos tourelles anti-aériennes. Par contre, il est où le VCS qui répare là? Il est où le gland? Ah bah il est là, je suis bête. Il construit. Des marines toujours en production. J'ai failli attendre. Oh bah voilà. Ok, bon. Bah, c'est cool. Pourquoi pas? Ah, ils ont la classe, nos petits marines. Ouais, bon, vraiment là, que je le redis on encore une fois, je le mettrai en difficile puisque là. On se fait vraiment un petit peu chier, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît, hein, parce que moi, j'aime beaucoup. En sachant, hein, que ça fait longtemps que j'ai le jeu. Mais oui, je l'avoue, ça fait du genre un an que j'ai le jeu, mais j'ai jamais fait la campagne. Et oui, puisque avant, je faisais aussi des vidéos, j'avais commencé une série aussi là-dessus, mais j'ai arrêté. Et j'ai pas pensé à la reprendre. Ce qui fait que je jouais que en multijoueur. Et donc... je vais découvrir la campagne de Wings of Liberty. Oui, et en plus je compte m'acheter le Heart of Swarm. Comme ça je pourrais vous faire des vidéos dessus aussi. Pour une campagne qui sera sûrement toujours aussi épique que celle-ci. Enfin je l'espère sincèrement, mais à mon avis oui, hein. On sera les Zergs, mais bon, les Zergs je les gère pas très bien en plus, puisqu'ils sont assez chauds, hein. Faut aimer les jouer, les Zergs. Ils sont un peu zarbes. Moi, mon préféré, c'est les Terrans. Hein. Bon, c'est la classe la plus facile à jouer, on va dire, la plus polyvalente. Champ de minerai épuisé. En fait, c'est pour les gros fainéants, hein, les Terrans.
Oui, je sais, je suis une feignasse. Enfin, c'est pas pour les grands fainéants, je dis ça. C'est quand même... Les terrains sont très bons quand même. Tenez encore un peu. On va bientôt sortir de là. Très très bonne classe. Mais bon, voilà, c'est un petit peu plus facile de les jouer quand même. Ok, bon, plus que 4 minutes. La musique un peu stressante s'enclenche. J'ai failli attendre. Ok, bon. Mauvaise nouvelle ? Enfin. Bon, allez, on va s'amuser à produire des types. Allez, on produit des types à gogo. Voilà, comme ça, on aura une énorme armée. Est-ce que je peux... Non. Mes mecs sont ultra OP, donc je peux toujours... pas continuer à les améliorer. Bon, on va faire descendre de... Ah non, je me trompe à chaque fois. Des dépôts de ravitaillement. C'est vous le chef. Voilà. Pour le fun, puisqu'il nous demande... On va remplir ça. Alors, ces ordres, ils arrivent. Voilà, comme ça, on va... Ils vont nous enlever ces messages de merde, là. Ok, bah voilà. Petite attaque de rien du tout. Ah, ils ont sorti les moyens, quand même. Hein. On a quoi? Ah, je peux pas voir ce que c'est. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Les consultations sont ouvertes. Il y a du dégulis un peu partout là. Ah, ces arbres. Il y avait encore un truc qui bougeait. Tu sais, c'était un nerf qui était encore actif. Gros boulot. Allez, encore un petit centre de commandement. Allez, plus que 3 minutes à tenir. Oui. Ah oui, j'ai pas déterminé la zone. Comme dans les livres. On a besoin de mêlée. Ah, les consultations sont ouvertes. Alors, j'adore quand elle dit ça, elles ont une voix de. Ah, les consultations sont ouvertes. Enfin, voilà quoi, c'est. Je sais pas, ça, je trouve ça marrant. Purée, bah dis donc. Nos champs de minerais étaient plutôt conséquents. Mais comment ça se fait que. Avant, on pouvait cliquer sur les champs de minerais là. On pouvait voir combien il en restait, j'arrive pas à voir. Ça, ils ont dû changer les boutons, les trucs comme ça, et je suis complètement perdu. Ça serait pas de refus. Ou alors ils ont tout simplement. Ok, bon. Je sais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a D'accord, on peut carrément enlever le terrain. Ok. Ah, on peut épingler un lieu sur la mini-carte. Les consultations sont ouvertes. Ah, ouais, d'accord, c'est un ping. Ok, d'accord. Genre, quand t'as pas vu. Ici! Il colorait les liens sur un degré de cité. Oh, pas mal. Aide. J'ai failli attendre. Bon, bah, allez, on va taquiner le. On va aller taquiner les ergues. Ah, bah, tiens, il sera là. On va essayer d'aller leur. Leur zingouiller la gueule. Voilà. Ah, c'est le final là, j'ai l'impression, c'est le final. Ah, ils ont quand même aussi à nous péter une tourelle. Ouais, ils ramènent la cavalerie lourde là. L'artillerie lourde. D'accord. Ils attaquent de tous les côtés. Moi, je les extermine, c'est du massacre de. Des Erklings. Zergling. Oh, je sais plus. J'arrive. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. En tout cas, ça tombe bien, ces merdes. Hein. Mais non, vous en sortez très bien. Ici, Matorner. Tenez le coup. Oh, la cavalerie arrive. Surtout, prends ton temps, Matt. Y a pas le feu au lac. En plus, ils font des blagues. Sacré Reno. Tu joues le mot pour rire. You're so French, bitch. Allez, 45 secondes. Pendant ce temps, nous, on les extermine. La base est attaquée. Oh. Mais c'est qu'ils sont chiants, dis-moi. Wow. Ah oui, là c'est le final quand même. Attends.
Foutez-moi ça là. Et voilà, il suffisait que je ramène mes... C'est parti. De l'aide, ça serait pas de refus. Bon, en fait, ils attendaient les bougres. Hein. Voilà, enfin. Wow, pas mal le vaisseau. Yeah. Oh, c'est rock. C'est rock, c'est rock, c'est rock. Putain, il est... Wow. Ok, d'accord, mais en fait, c'est sévère. Ça l'a comme il faut. La cavalerie est arrivée. Il reste des survivants par ici. Bah, je m'excuse, hein, si c'est pas très fluide. Bienvenue à la fête. Content d'arriver à temps, commandant. Maintenant, nous allons vous sortir de là. Ouais, il serait temps, hein. Ok, enfin, durée de la mission 20 minutes. Ouh, ah bah dis donc. Alors, au fait, réussir tous les objectifs de la mission, leur H. Oups, non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai oublié qu'il fallait pas cliquer dessus. Comment on fait? Mince, ah oui, c'est là. Alors, irréductible, réussir la mission leur H en mode normal sans perdre ou recycler de bâtiments. Oh, shit, j'aurais pu gagner un au fait en réparant mes tourelles et... Ah, je l'ai pas fait. Bon, c'est un haut fait en moi. La meilleure défense, détruire 4 couveuses zerg dans la mission. En mode difficile. D'accord. D'accord, d'accord. Mais écoutez, je sais ce que je ferai. Je ferai des vidéos comme ça, ou des petits défis, voilà, pour gagner des hauts faits. En mode brutal ou difficile, et j'essaierai de gagner tous les hauts faits des missions. Ça pourrait être sympa, ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Oh, pas mal. Oula, il fume de partout le truc. Il fume de partout. Ah, c'est métal quand même, c'est rock. Bon, bah on a... On aura bien attendu longtemps. Heure locale, 6h21. 21. Wow! Oh, ça m'a fait sursauter. Bordel, oh. Jimmy, mais tu m'avais pas parlé de ça. Là, c'était vraiment à deux doigts, Matt. Je ne vous ai jamais laissé tomber, commandant. C'est pas faux. Et c'est pas faux. Sortons de ce merdier. À toutes les batteries, concentrez le feu sur l'avant. Allumage des moteurs 2 et 6. Oh, oh putain, le mec, il est tendu dans la mitrailleuse. Oh, oh, ta montre, elle est classe, mec. J'adore. Maintenant. Oh, ce passage en hyperespace. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu de Zerg depuis des années. Oh, yeah. Marsara maintenant. Ah, c'est épique. Pas uniquement Marsara. Il faut que vous voyez ça. C'est un Zerg qui a lancé une attaque à grande échelle. La destruction se répand sur toutes les planètes de la périphérie. Subit de lourdes pertes. Fait des milliards de victimes. Oh. Les Zergs viennent à l'instant d'attaquer une installation de recherche militaire du domaine. Oh, c'est la guerre en fait. Putain de bordel de Dieu. Sacréticus. L'explosive confirme que c'est bien la reine des lames qui dirige les Zergs. Wow, la reine. La reine des lames. C'est elle l'héroïne dans Heart of Swarm. Mais oui, c'est elle. C'est elle qu'on dirigera. Enfin, qu'on dirigera. Oh, faut absolument que j'achète l'extension. On a toujours su qu'elle reviendrait. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se venger. Oh là là, mais évidemment qu'elle veut se venger. Elle vient finir ce qu'elle a commencé. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ça devient grave, là. Ça devient très grave. Ah, c'est tellement cinématographique. J'adore. 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 Avec toujours cette espèce impossible de musique. De savoir ce que vont nous balancer les Zergs ce coup-ci. Commandant, il faut nous assurer que notre matériel et nos munitions feront le poids. Ouais, je vais voir avec Swan à l'armurerie. Le connaissant, il nous a déjà préparé quelques améliorations. Désolé de vous demander ça, monsieur. Mais y a-t-il une raison pour que ce repris de justice traîne encore sur ma passerelle? L'autre, il se tient les... Ticus, enfin, ce qu'il a à la place, tu vois. Des... Il a sorti d'un vrai merdier il y a quelques années. J'ai une dette envers lui. Ouais, mais votre ami a un casier judiciaire aussi long que... Que le mien.
que ma bête. Non, je déconne. Non, c'est... Finlay, c'était de mauvais goût, oubliez ce que je viens de dire. Compris, commandant. Ok, bon, ah, désolé, ça c'est mon téléphone. Ok, bon, bah, on se retrouve maintenant dans un vaisseau. Bah, ça m'a l'air d'être complètement épique, épique, armuré. Oh, on a plusieurs endroits où aller. Bon, écoutez, bah, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Dans le prochain, je vous promets qu'il y aura un peu plus d'action. On sera en mode difficile. En tout cas, si vous avez aimé, laissez un j'aime, un petit commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez voir la suite de cette aventure qui sera certainement complètement épique. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Portez-vous bien.